On raconte. Je vais laisser mon contrôleur. On raconte dans la peuplade des Miamak. On raconte qu'un jour, une grand-mère était en train de tisser au travers de la lumière de son tipi. Et elle était en train de tisser. Et puis, une petite voix se fit entendre là. En gros, une voix triste. Une voix qui pleurait. Alors, grand-mère l'araignée mit son ouvrage de côté. Grand-mère mit son ouvrage de côté et puis tendit la main. Et tendit encore un peu plus haut la main. C'était une araignée. C'était une petite araignée. Alors, grand-mère regarda l'araignée et lui demanda, mais pourquoi t'es-tu, petite sœur araignée? Et l'araignée lui dit, tu sais, personne ne m'aime. Moi, je fais pauvre, personne ne m'aime. Je suis seule, je tisse ma toile à longueur de journée et personne ne m'aime. Alors voilà, oui, je pleure. Alors, grand-mère regarda l'araignée et grand-mère avait vécu des années et des années. Elle connaissait tout du secret de la forêt. Elle regarda l'araignée et lui dit, tu sais, l'ami, moi j'ai une idée. Petite idée. Tu vois quand nos frères et sœurs, Miamak, s'endormiront, je te propose simplement de tisser une toile au-dessus de moi. Tisse-la. Et cette toile permettra de prendre des mauvais rêves et de les emprisonner. Et quand notre frère, le soleil, lendemain matin, viendra, il nous détruira les mauvais rêves. Alors, va, ma soeur. Et c'est depuis lors, dans cette région, et dans cette peuplade des Miamak, que plus jamais, on raconte l'histoire, plus jamais, un ou une Miamak ne fit un mauvais rêve. On raconte aussi, tout près de la contrée des Miamak, qu'un jour, une graine d'un pommier tomba en terre. Et juste à côté, une graine d'un érable. Le temps passe, le pommier commence à jaillir de terre. L'érable jaillit de terre également, il monte. Oh, il est plus grand, plus svelte que le pommier, il prend de l'espace, beaucoup plus que le pommier. Un soir, c'est un soir de pleine lune. Les étoiles brillent, sont magnifiques. Soir de pleine lune, pas grand vent, un ciel tout dégagé. Le pommier et l'érable regardent les étoiles. Oh, les étoiles! Oh, ils nous en font une! Oh, elles sont magnifiques, les étoiles! Oh oui, vite! Celui qui... Oh oui, on a besoin de ces étoiles, on a envie de les avoir. Alors, le pommier... Où il tend ses branches vers les étoiles. Il n'arrive pas à les avoir. L'érable un peu plus grand tend, il n'arrive pas à avoir l'étoile. Les années passent et le pommier continue à grandir, l'érable continue à grandir. Chacun essaie d'avoir l'étoile, ça devient une idée fixe pour l'un et pour l'autre. Et le pommier, voyant l'érable grandir plus vite et plus grand, commence à avoir la rage. En se disant, mais c'est l'érable qui va arriver le premier aux étoiles et qui va les prendre pour lui. Et il commence à maudire l'érable. Il commence à se renfermer sur lui-même. Il commence à ne plus voir les enfants qui s'égayent autour de son tronc quand le printemps est là. Les amoureux qui viennent se lever délicatement contre son tronc. Il ne voit pas les oiseaux qui font leur nid dans ses branches. Non, il est tellement obnubilé par le fait que l'érable aura les étoiles avant lui, qui ne voit plus tout ça. Et puis, la saison des pommes arrive, les pommes commencent à tomber,
Les gens vont les ramasser, puis le premier n'y fait pas très attention. Quand soudain, une pomme tombe devant lui. Alors, il regarde la pomme tomber devant lui, et puis, là, il commence à rire intérieurement. Parce que, quand il regarde cette pomme qui est tombée à la base, il se rend compte en fait que les étoiles cherchaient en vain. C'est lui qui les avait, ces étoiles. Alors le premier commence à rire aux étoiles. Et mon histoire est finie. Ah. Décidément, c'est vraiment pas à ma taille ce truc. Voilà, j'ai trouvé le truc. Tournez le petit bouton. Oui, c'est ça, je suis trop grande. Voilà, mais c'était Vincent. Alors, Vincent, c'est un peu notre enfant, d'ailleurs. On peut dire ça comme ça. Hein. Vincent. Et Vincent, c'est aussi un peu comme dans l'histoire de Guillaume. Là, un peu un maître guérisseur. Il faut savoir que Vincent. Où est-ce qu'il est, Vincent? Ah, mais il est là, voilà. Là. Le jour, il soigne les corps, et puis la nuit, il soigne les âmes. Voilà, et il veut que ça va être fait.